Le 13 janvier 2012, vers 21h45, le Costa Concordia frappe un récif près de l'île de Giglio, en Italie, créant une brèche de plus de 70 mètres de long. Dans le poste de commandement, la panique commence à s'installer. Le mécanicien informe Francesco Schettino que deux compartiments sont touchés. Le paquebot, constitué de 7 compartiments, peut encore flotter. Mais ce que l'équipage ne sait pas, c'est que 3 compartiments sont touchés et déjà remplis d'eau. Dans une ultime tentative pour sauver le navire, Francesco parvient à le rapprocher des côtes de Giglio, où il finira par s'échouer. Cet incident a causé 32 morts, fait plusieurs dizaines de blessés et coûté plus d'1,2 milliard d'euros à la compagnie Costa Croisière. Et je vais vous raconter cette histoire tragique. La fabrication commence en 2004, près de Gênes, en Italie. La compagnie Costa Croisière entreprend la construction d'un paquebot de croisière luxueux. 290 mètres de long, 35 mètres de large, pesant plus de 114 500 tonnes. Il peut accueillir près de 5000 passagers et membres d'équipage à son bord. Le paquebot est mis à l'eau en septembre 2005. Il comporte 1500 cabines, dont 505 avec balcon privé, et plus d'une cinquantaine de suites, ainsi que 5 jacuzzi, 5 restaurants, 13 bars, un toboggan aquatique, un spa, sur 2 étages, un gymnase et un terrain de sport. Bref, un véritable monstre des mers. À cette époque, il est le plus grand bateau jamais construit en Italie. Et à son bord, Francesco Schettino. Né le 14 novembre 1960 à Naples, Francesco est un capitaine de navire qui a gravi les échelons de la marine marchande grâce à sa formation maritime et son expérience sur divers navires. Après avoir rejoint la compagnie Costa Croisière, il est rapidement reconnu pour son expertise et son leadership, ce qui lui vaut d'être nommé commandant du prestigieux Costa Concordia en 2010. Cependant, derrière cette apparence de professionnalisme, se cachaient des tendances à prendre des risques imprudents et à sous-estimer les dangers, des comportements qui allaient précipiter la tragédie. Le 13 janvier 2012, le Costa Concordia quitte le port pour une croisière en Méditerranée. À bord se trouvent 3780 passagers et 1100 membres d'équipage, tous prêts à profiter d'un voyage de rêve. Le navire, avec ses multiples commodités et ses allures imposantes, est une véritable ville flottante. Le capitaine Francesco Schettino, avec son équipage, est en charge de veiller à la sécurité de tous les passagers, un rôle qu'il a assuré avec succès à maintes reprises. Cependant, ce qui devait être une croisière plaisante au départ se transforme en vrai cauchemar quelques heures plus tard. Le capitaine Schettino décide d'effectuer un salut à l'île de Giglio, une manœuvre risquée visant à naviguer près des côtes pour saluer les habitants et offrir aux passagers une vue spectaculaire. Cette pratique, bien que non autorisée par les protocoles de navigation, avait été réalisée à plusieurs reprises par le passé, y compris par d'autres capitaines de Costa Croisière. Malgré les avertissements de l'équipage concernant la proximité des récifs, Schettino insiste et maintient sa trajectoire. C'est cette décision qui précipitera l'accident. Le 13 janvier, aux environs de 21h, le Concordia heurte un rocher à 16 nœuds, soit environ 30 km/h, provoquant une brèche de plus de 70 mètres de long. Les compartiments 1, 2, 3 et 4 sont touchés, condamnant le paquebot. Le capitaine Francesco tente alors une manœuvre pour éviter que le bateau s'échoue trop loin des côtes. Il essaie de rapprocher le paquebot des côtes de Giglio. Le navire commence à pencher légèrement sur son flanc gauche. Le rocher aurait rasé la coque au point de noyer le compartiment contenant les systèmes électriques qui alimentent les moteurs et les pompes permettant d'évacuer l'eau. À 22h10, les gardes de côte appellent le Costa Concordia. Tipo di problema, solamente il generatore perché i carabinieri di Prato hanno ricevuto una telefonata di un parente, di un marittimo che diceva durante il pranzo gli è cascato tutto in testa. No, negativo, abbiamo un blettato e stiamo verificando le posizioni a bordo. Francesco refuse leur aide, bien que la situation le dépasse. À 22h54, l'équipage et le personnel demandent à tous les passagers d'abandonner le navire. Il y avait des annonces qui commençait toujours par Tango India, il y en a eu 4, qui étaient des messages destinés aux membres d'équipage. La troisième phrase, la plus importante, ça a été quand on a entendu Tango India Lifeboats. Là, t'es devenu tout blanc. Là, je suis devenu tout blanc parce que j'ai compris qu'ils demandaient à l'équipage d'aller préparer les canots de sauvetage. Les passagers se ruent pour trouver un canot de sauvetage. La règle des femmes et des enfants d'abord n'est alors pas respectée. Avec l'aide d'une corde, certains passagers tentent de s'échapper de ce carnage. Aux environs de 23h30, les autorités apprennent que Schettino a pris la fuite. Il ressent un appel du responsable de la capitainerie de Livourne. La nave, et me dice quante persone, et che cosa hanno a bordo, chiaro?
Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. Il prétend vouloir rentrer sur la terre ferme pour pouvoir mieux coordonner l'équipe de secours. Le commandant Francesco se réfugie dans l'hôtel Bahamas. La fin des opérations de secours se fera à 6h du matin, le 14 janvier 2012. Le bilan, 6 morts et plusieurs dizaines de personnes disparues. Au matin, les services de police viennent arrêter Francesco pour homicide par négligence. Certains passagers repartiront en ferry pour rentrer chez eux, d'autres resteront sur place. Les inquiétudes étaient nombreuses, écologiques, souvenirs tragiques pour les habitants et les survivants, économiques, etc. C'est vrai ça, comment retirer une épave? En mars 2013, plus d'un an après le naufrage, Nick Sloan, ingénieur spécialisé dans le renflouement de navires, est contacté pour lancer une opération, l'opération Parbucking, consistant à redresser le bateau, puis à l'amener dans un chantier pour le démanteler. Il s'agit du plus grand projet de renflouement jamais connu. Je vais passer les détails pour cette partie, donc on va faire quand même assez simple. Pour commencer, plusieurs plateformes en métal sont placées sous le bateau pour le maintenir en place. Ensuite, plusieurs câbles solides viennent lier le bateau aux plateformes. Mais comme le bateau est encore submergé et rempli d'eau, il faut le refaire flotter. Ainsi, plusieurs gros caissons sur les côtés font office de bouées. Lorsqu'ils seront remplis d'air, le bateau remontera petit à petit en évacuant l'eau. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Après tout ce travail, le bateau est enfin sous contrôle et peut être ramené sur un chantier pour être démantelé. La facture pour l'assurance Costa Croisière est plutôt salée. On parle de plus d'un milliard d'euros, soit plus de deux fois le coût du bateau. Après avoir été renfloué lors de l'opération Parbucking, le Costa Concordia a été remorqué vers le port de Gênes en juillet 2014. C'est là que le navire a été démantelé au cours d'une longue et complexe opération qui a duré plusieurs mois. Les travaux de démolition ont commencé par le retrait de tous les équipements internes et la dépollution du navire, une étape cruciale pour minimiser l'impact écologique de l'épave. Les matériaux recyclables, principalement de l'acier, ont été renvoyés dans diverses usines pour être réutilisés. Quant au capitaine Francesco, il a été jugé pour homicide involontaire, abandon de navire et autres charges liées au naufrage. En février 2015, il a été condamné à 16 ans de prison, une sentence confirmée en appel. Schettino a tenté à plusieurs reprises de faire réduire sa peine, mais ses demandes ont été rejetées. Il purge actuellement sa peine, tandis que les souvenirs du Costa Concordia restent gravés dans la mémoire collective, symbole d'une tragédie évitable. Pour les survivants et les familles des victimes, le naufrage reste un traumatisme profond. Divers monuments ont été érigés à Giglio en mémoire des victimes, et chaque année, une cérémonie commémorative est organisée sur l'île pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie. L'épave, bien que démantelée, a laissé une trace indélébile dans l'histoire maritime, rappelant les dangers de la mer et l'importance de respecter les règles de navigation. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous pouvez voir, le tournage était un peu spécial, là je suis en train de suer comme pas possible. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette vidéo un peu différente aussi de d'habitude, j'essaie de nouvelles choses. J'ai pu suivre justement cet événement-là du Costa Concordia qui m'a vachement marqué à l'époque. Et c'est pour ça que je me suis permis de rappeler aussi que ça a eu lieu quand même. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao !